Donc, bonjour à tous, je m'appelle Maïté Merienne Dikelé, je suis enseignante en sciences physiques au lycée Eugène Ionesco depuis 12 ans. Je suis professeure principale d'une classe coopérative depuis 3 ans. J'étais référente citoyenne et numérique et j'ai créé 3 clubs ou ateliers qui se déroulent hors temps classe, c'est-à-dire entre midi et 2 ou après les cours. Donc, le premier atelier que j'ai créé, c'est un atelier écologique qui initie les élèves à la permaculture, à la fabrication de cosmétiques bio et qui intègre un partenariat avec les jeunes ambassadeurs du climat, c'est des étudiants de Sciences Po, de Normale Sup, qui interviennent dans les classes pour sensibiliser les jeunes sur les questions environnementales. Le deuxième atelier est un atelier bioéthique. Des élèves se réunissent toutes les semaines de tous les niveaux pour réfléchir sur des sujets bioéthiques tels que la fin de vie, la PMA, la santé et l'environnement, les big data. Et à la fin de l'année, ils passent devant, lors des journées des lycéens en mai, à la Maison de la Chimie, ils passent devant les membres consultatifs nationaux d'éthique où ils exposent leur travail. Alors, les membres du Comité consultatif national d'éthique, c'est un comité qui conseille le gouvernement sur les lois de la bioéthique. Et un troisième atelier qui s'appelle l'atelier artistique, scientifique et numérique. Donc c'est l'atelier que je vais vous détailler lors de mon exposé. Alors aujourd'hui, moi je vais vous présenter une approche transdisciplinaire, collaborative, réflexive et critique du numérique en deux temps. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter l'atelier scientifique, artistique et numérique. Et dans un deuxième temps, les usages que je fais du numérique au sein de ma classe coopérative. Alors, je commence donc par l'atelier artistique, scientifique et numérique. Donc, comme son nom l'indique, c'est un atelier qui mêle la physique-chimie, les maths, les SVT, les sciences de l'ingénieur, mais aussi la musique, les arts visuels. Il est mené par un groupe de 24 élèves volontaires qui vient de niveaux et de filières totalement différents, donc générales et technologiques. Le principe, c'est de créer 3 escape games autour d'un scénario commun. Alors, un escape game, c'est une sorte de jeu de piste qui se déroule dans une salle fermée. Et pour en sortir, il faut que les joueurs résolvent une série d'énigmes, et cela dans un temps imparti. Si ce n'est pas le cas, ils restent bloqués dans une salle. Donc, concrètement, ce qui est, je pense, intéressant, c'est que ce sont les élèves qui créent tout. Ils font tout pendant une année scolaire quasiment. C'est-à-dire qu'ils élaborent un scénario. Ils proposent des expériences, ils commandent le matériel via la gestionnaire du lycée, ils testent les expériences et à la fin, ils font jouer les autres élèves de l'établissement. Donc pour ça, ils travaillent en groupe. On a 5 groupes d'élèves, 3 groupes concernant les 3 escape games, un groupe de scénaristes qui, à chaque heure de l'atelier, va de groupe en groupe pour s'assurer si le scénario est cohérent, et un autre groupe qui, lui, a créé un site. C'est le site que je vous montre ici rapidement. Et ce site, on s'en sert pendant l'escape game. Alors, le scénario de l'année dernière, c'était un scénario qui parlait d'une équipe, des membres d'un équipage qui part dans l'espace. Et quand ils reviennent sur Terre, ils arrivent dans mon lycée, dans le lycée Ionesco, qui est vide. Et pour le voyage retour, ils ont été plongés dans un sommeil forcé. Donc, lorsqu'ils se réveillent, ils sont amnésiques. Donc, ça, c'est le contexte. Les joueurs arrivent. Ils incarnent le membre d'un équipage et ils ne se souviennent de rien, qui ils sont, ce qu'ils doivent faire. Donc, on leur distribue au début de l'escape game un QR code sur lequel, lorsqu'ils l'ont flashé, ils trouvent ici, donc vous pouvez voir les personnages qu'ils vont incarner pendant tout l'escape game. Alors, il y a un journaliste, une astrophysicienne, une musicienne, il y a 6 membres de l'équipage. Donc, je vous montre juste. Hello, je suis la chef de l'équipage et je m'appelle Anna Hook. Je viens des États-Unis, je suis hyper motivée et je vais finir cette mission coûte que coûte. Je suis quand même très stressée. Pour info, j'étais la première de la classe au lycée, j'ai fait des études scientifiques, puis j'ai obtenu un master en astrophysique pour enfin devenir cosmonaute. Là. Alors, les 3 missions, les 3 escape games, très vite fait. La première mission, ils vont découvrir que lors de leur voyage, ils sont passés près d'un trou noir, un petit peu comme dans le film Interstellar, si vous connaissez. Du coup, le temps ne s'écoule pas de la même façon, et ce qui est réel, hein, ce n'est pas une fiction, hein, enfin, ce qui est réel, en tout cas, c'est de la relativité. Et lorsqu'ils reviennent sur Terre, un an qui s'est écoulé dans l'espace équivaut à 100 ans écoulés sur Terre. Donc, ils vont découvrir ça avec des calculs, les joueurs, ils vont découvrir ce problème. Dans le deuxième escape game, l'intelligence artificielle du vaisseau a enregistré un message musical. Ils vont devoir le décrypter, ils vont découvrir que c'est un SOS qui vient des terriens.
Et le troisième, c'est ils vont découvrir qu'il y a un traître parmi l'équipage qui est en réalité le biologiste qui a contaminé toute la Terre en partant. Voilà, ils vont découvrir à chaque fois des choses qui sont dépendantes, en fait, à chaque fois, des trois escape games. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le site que je vous montre ici, c'est un site version prof, c'est-à-dire que tout ce travail, il est réutilisable pour d'autres enseignants, d'autres établissements, et aussi pour d'autres élèves qui veulent créer ce genre d'escape game. Parce qu'il y a en haut un onglet caché, page cachée, qui est ici. Voilà, détail du scénario à droite, page cachée, qui n'est pas disponible pour la version élève, et sur lequel vous avez tout le making-of de l'escape game. Vous avez donc l'émission, le scénario, et si vous regardez, vous regarderez peut-être plus en détail, mais vous avez toutes les vidéos des joueurs qui passent l'escape game, mais aussi du matériel qu'on a utilisé. Je vous laisserai voir, je vous laisserai un QR code sur lequel vous pourrez avoir accès à ce site. Alors, le bilan de cet escape game est très positif parce que les élèves, aucun n'abandonne en cours d'année. Ils restent tous, ils sont très fiers de faire passer leur escape game aux autres élèves de l'établissement. Ensuite, ils consolident beaucoup de compétences disciplinaires et en développent d'autres, comme celle du numérique, ou même ça leur développe leur créativité. Ils apprennent à travailler en équipe. Et certains élèves, des anciens élèves, sont revenus me voir pour me dire que lors de leur oraux d'entretien aux grandes écoles, ça avait été un avantage considérable. Voilà, pour cette première partie. Pour la deuxième partie, je vais me focaliser sur la classe coopérative et je vais vous montrer quelques usages du numérique au sein de cette classe. Alors, la classe coopérative, nous l'avons montée avec des professeurs de SVT, histoire géo, maths, voilà, et moi-même, physique-chimie, il y a 3 ans. Alors, quel est l'objectif? C'est de valoriser l'élève en tant qu'individu, mais que cela soit bénéfique à l'ensemble de la classe. Alors, nos pratiques pédagogiques sont basées sur 3 valeurs pour nous essentielles. La première, c'est la coopération entre pairs. La deuxième, c'est la responsabilité de l'élève. Et la troisième, c'est la différenciation de son parcours. Alors, les spécificités de cette classe coopérative, la première qui est pour moi la plus importante, c'est le conseil d'élèves. Une fois par semaine, il y a un conseil d'élèves hebdomadaire, c'est-à-dire les élèves se regroupent, ils se questionnent en tant qu'élèves sur leurs droits, leurs devoirs, mais aussi en tant que citoyens. Donc, ce conseil d'élèves, c'est un lieu d'expression, de régulation, mais aussi de proposition. Par exemple, l'année dernière, les élèves ont créé une association junior qui s'appelle Ionescope et qui leur permet de mener des actions de sensibilisation au sujet du réchauffement climatique. La deuxième spécificité de cette classe coopérative, c'est le fait d'avoir le droit à l'erreur. Chaque trimestre, les élèves ont le droit de rater un devoir et de le repasser à condition de l'avoir travaillé 3 fois avec leur tuteur en AP. Et la troisième spécificité, c'est qu'ils travaillent en groupe. Par îlot de 4, donc même quand ils sont à 36, ils travaillent à 4. Dans ma classe, l'usage du numérique que j'utilise énormément, qui pour moi est un formidable outil de coopération, c'est le Padlet. Le Padlet est un mur collaboratif sur lequel on peut poster des documents, des vidéos, des liens. Donc, pour mon cours de physique-chimie, sur leur feuille, au départ, ils ont un QR code qui permet d'accéder à ce Padlet. Mais là, aujourd'hui, moi, je ne vais pas vous parler de ce Padlet-là, mais plutôt de celui-ci, qui s'appelle le Padlet Joker. Ce Padlet Joker, c'est un Padlet qui n'est pas, que les élèves ne peuvent pas avoir accès s'ils n'ont pas un mot de passe. Alors, je vous explique. Une semaine avant mon chapitre, je désigne 4 élèves aléatoirement dans ma classe qui seront mes assistants, que j'appelle mes assistants Joker. Je leur donne le mot de passe grâce auquel ils vont pouvoir aller sur ce Padlet Joker. Et dessus, il y a toutes les corrections de mon cours, des activités, des TP et des aides aussi pour les jokers. Donc, les élèves le travaillent une semaine à l'avance. Et du coup, en classe, mes jokers assistants se baladent d'îlot en îlot pour aider les autres élèves. Mais les aider pas en leur donnant les réponses. Hein. Je leur apprends à les questionner, à les accompagner pour vérifier que tout le monde ait appris. Et comme ça, moi, ça me permet de consacrer du temps aux élèves qui sont un peu plus en difficulté.
Alors, le bilan est quand même positif, enfin, et je trouve positif, puisque les élèves jokers se sentent valorisés, ils sont responsabilisés et ils progressent factuellement au niveau de leurs notes. Les autres me disent qu'ils osent poser des questions qu'ils ne me poseraient peut-être pas à moi. Et puis après, objectivement, la fréquence des questions est supérieure à celle qu'elle serait si j'étais toute seule, enfin, quand je suis toute seule face à toute la classe. Le deuxième usage de numérique que j'utilise, c'est en TP. Alors, je vous montre juste comment ça se passe, puisqu'il y a beaucoup de vidéos que les élèves postent. Alors, si j'y arrive. Voilà comment ça se passe en TP. Les élèves ont plusieurs façons de poster leur résumé numérique sur le Padlet. Alors certains s'enregistrent avec la fonction dictaphone, comme ici Jeanne. D'autres filment ce qu'ils préparent eux à l'écrit. Donc ils vont filmer leurs mains et leurs copies. D'autres vont au tableau et se filment comme là ici Younes qui fait le rédacteur d'une émission télé. Certains sont tout seuls, certains prennent des photos sur leur cahier et utilisent Parc Vidéo, donc ils vont commenter les photos. Voilà. Alors, le bilan de cette pratique-là, c'est que les élèves ont leurs propres vidéos qu'ils peuvent réviser avant les devoirs et aussi avoir accès aux vidéos de leurs camarades. Et ça, c'est quand même très pratique pour les ECE en fin de terminale. Un petit bémol, cependant, c'est que cette pratique-là est assez chronophage et les élèves se plaignent du temps qu'ils mettent pour ce résumé numérique. C'est quand même, ce temps est bien supérieur quand même à celui qu'ils mettraient pour faire un TP manuscrit. Donc, dans ce cas-là, ce que j'ai fait pendant deux trimestres, je l'ai rendu systématique, cette méthode-là. Mais, alors, du coup, c'est vrai que c'était plus fluide pour eux. Par contre, ils s'en lassent. Alors, il faut trouver, je pense, un juste milieu entre le faire systématiquement, enfin, à vous, de, bien sûr, enfin, au professeur de voir. Un autre problème auquel j'ai été confrontée, celui-là, il est plutôt d'ordre éthique, c'est comme vous pouvez remarquer, tous les élèves ont des smartphones ou des tablettes. Et lors des conseils d'élèves que je préside et dans mes nombreux ateliers, les élèves qui sont de plus en plus sensibles à l'environnement, aux problèmes environnementaux, ont soulevé la question de l'empreinte écologique de la fabrication des smartphones ou des tablettes. Et il est vrai que les smartphones et les tablettes posent de vrais problèmes écologiques de nature différente, que ce soit l'extraction, la purification des composés, que ce soit leur recyclage qui est médiocre, et leur coût environnemental et énergétique dû au stockage des données. On sait maintenant que la pollution numérique est du même ordre de grandeur que la pollution aérienne. Donc ça pose un véritable problème, surtout que je suis référente citoyenne et je ne peux que les accompagner dans ce questionnement. Un autre questionnement aussi, qui est aussi d'ordre éthique, c'est le temps d'exposition des élèves aux écrans. On sait maintenant, les études scientifiques ont montré qu'au bout de une voire deux heures d'exposition quotidienne, cela pouvait avoir des conséquences néfastes sur le cerveau, sur le sommeil, sur l'attention, la mémorisation et sur les résultats scolaires. Beaucoup d'études l'ont démontré. Et on sait aussi qu'aujourd'hui, un élève passe 6h30 d'écran, enfin, pas 6h30 devant un écran. Du coup, moi, ça m'est inconfortable de me dire que je vais être responsable, ne serait-ce que de 30 minutes d'écran sur la quantité totale. Voilà. Donc, en conclusion, afin de préserver l'outil numérique que je trouve formidable dans son aspect collaboratif, dans le cadre académique, j'aimerais bien faire en sorte que les élèves utilisent moins les écrans en dehors de la classe. Mais pour cela, il faut d'abord, en tout cas à mon échelle, c'est de me sentir responsable de ce qui se passe en dehors de la classe. Parce que je ne suis pas que professeure de physique-chimie, mais je suis aussi citoyenne, je suis aussi maman et je suis une fonctionnaire de l'État. Donc c'est des vraies questions que je me pose. Alors, j'ai quelques pistes à vous proposer, des pistes dont je sais qu'elles ont été mises en œuvre dans d'autres établissements. Par exemple, organiser des séances d'information aux parents visant à les informer sur les dangers sanitaires. Il y a un établissement qui a initié une journée de sans portable, qui a été très, très, très appréciée par les élèves et les professeurs. Il y a aussi la fameuse « silence on lit », que certains établissements font, un quart d'heure par jour, et qui, pareil, a eu d'énormes bénéfices.
Et enfin, informer les élèves des petits gestes quotidiens qu'ils peuvent avoir pour polluer moins, comme par exemple vider sa corbeille de mails ou savoir qu'un texto pollue 1000 fois moins qu'un mail. Voilà, je vous remercie.